sauvegarde est ici. Nova. Bonjour Palissade. Je sais, nous venons de nous parler au sanctuaire, mais je dois te dire autre chose. Je m'en vais pour un moment. Il y a quelque chose que je dois faire. Je ne pourrai plus t'accompagner. Mais sache que tu seras toujours dans mon cœur. Tu te souviens de la nano-créature qui t'a attaqué peu après ta naissance? Non. J'ai canalisé le pouvoir d'une carte pour créer une barrière infranchissable. Oui. Nova, j'aimerais maintenant te confier ma carte. Garde-la près de toi, mais n'utilise pas pour renforcer le prisme. Qu'elle te protège du danger, même lorsque je suis mort. Je t'aime. Je pense qu'elle va se faire prisonnière, tout ça. Je peux save maintenant ou... Ouais. Carte. C'est où qu'il faut aller en vrai? Et si je tombe, ça fait quoi? Ça fait rien. Très bien. Je vais aller de ce côté, je sais pas pourquoi. Ah, il y a un village quand même. Hein. C'était mal fait. Ballon Azur Ouest. Ah, punaise, il y a deux parties. Ça a l'air d'être fermé. Ah non, c'est ouvert. Bonjour, bienvenue au Lavoto Auto. Je suis Auto, l'éponyme. Tu viens sans doute de très loin pour découvrir notre service de renommée mondiale. Brossage des tissus, patati patata, ça joue ça, pour finir, attention. Ah. Il y a du boulot donc. Comment suis-je censé réparer le court-circuit du générateur? Maintenant, je ne peux plus grimper sur le toit. Sur le toit. Mais je peux pas sortir en fait. Personnage dehors. Sans le courant. Bah, j'aimerais bien, hein, mais. Une échelle. Une échelle. Je pense qu'il va falloir aller de l'autre côté d'abord. Enfin, l'autre bout de la ville. Parce que là, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. On se parle. On y reviendra peut-être après. Non, oui, parce qu'on peut pas descendre, on est d'accord. Mince, si! J'ai rien dit, pardon. Quel est cet étrange paysage? Je peux remonter au moins. Ça c'est une autre question. Oui, ils ont quand même prévu. C'est pas grave. On va éviter de décéder par là. Vite. Il y a des personnages là? Non, c'est du décor, pardon. Là, il y a une porte.
très étrange comme zone, hein. Mac, ça fait de bien rentrer à la maison. Je me demande comment va la vieille Lenoui. Salut, t'es la nouvelle dans la vallée. C'est toi la non, la, bon, la sauveuse quoi. Je crois qu'on vient toutes les deux de ces notes. Pendant longtemps, j'ai eu du mal à m'en sortir en ville comme chanteuse dans un groupe. Mais lorsque mes parents sont partis en voyage, ils m'ont demandé de revenir pour m'occuper de la maison. Tu as vu Lenoui, c'est une scientifique qui vit en haut des grandes marches. Nous nous sommes perdus de vue quand j'ai déménagé, mais je pense souvent à elle. Une fois, elle utilise sa langue chimiste pour me préparer une concoction. Moi, patati patata. Ben, bavarde. Nova Rere Botobato. Plaisir de te rencontrer. Je n'ai pas cette poussière. Aura besoin de. Ok. Si tu trouves un acarien à l'échelle nanométrique, est-ce que tu le mets. Quoi? T'es chelou, toi. Qu'est-ce que tu... C'est bizarre. Tout le monde est bizarre dans ce jeu. Berinja Manjou. Je travaille sur un nouveau morceau. Voici mon Tambuazo Katsu. Ensemble, nous parcourons la nouvelle terre, mais pour une raison inconnue, nous nous retrouvons toujours ici dans la vallée. Je vois que tu regardes souvent le bâtiment en haut des marches. C'est le laboratoire de Lonway Yonsei. Je ne peux pas dire. Ok. Un petit bug graphique là, c'était gratuit. Nova, te voilà enfin. Je veux dire bienvenue, ça me fait plaisir de te rencontrer. Je suis le docteur Lenoui Yonsten. Voici mon frère Lenoui. Où ça? D'accord. Tu as déjà rencontré un docteur, j'ai fait un docteur en philo. Ok, donc il va falloir que j'aille ici. L'atmosphère est lourde, patati patata, Nova, la poussière, tout ça. C'est parce que t'as deux têtes? Ah non, c'est lui le frère. C'est une machine.
C'est bien, frère. Ok. Ils sont gris, hein. Dorénavant, devra faire face à des cristaux noirs. Attention à ne pas activer le bouclier Nova lorsqu'elle rencontre un cristal noir. C'est super dur. Voir de la poussière. Il est vraiment chelou le jeu en vrai. Double digital chancreux. De sombres pensées prennent forme dans la grande tête mystérieuse. Nova, c'est moi l'auteur qui communique avec toi via mon nanodrone. Je me suis dit que je pourrais t'aider comme je connais bien la psyché de Clonway. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est capable de créer des créatures d'ombre dans cette dimension. Tu auras peut-être exploité cette caractéristique à ton avantage. Très bien. Bien le bonjour, je suis l'assistant de ce laboratoire. Tout droit, tu trouveras la chambre d'essai 1. À droite, 2 et 4. Oh punaise, d'accord, énigme. Ah. C'est précis, hein. Ok, d'accord. Quoi? Je vais pas comment? Alors là. Bon, c'est ouvert, j'ai pas compris comment. Mais c'est ouvert.
D'accord. Alors, non. Symétrie sur 20. Il est mort comment le machin ? Je peux passer là-dedans, mon pas. Moi, je peux passer là-dedans, d'accord. Peut-être pas. Si. Passe au milieu. Non, faut pas qu'il touche la poussière, d'accord. D'aller là-bas. Mais j'ai plus le pingouin là du coup. J'ai rien dit. Clone One, c'est salut, Faye, ça fait longtemps. Faye ma classe. C'est vrai, les gens emploient encore des expressions bizarres comme ça. Bien sûr que non, c'était une blague, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, tout ça, ouais. Tu vois de jolies motos de temps en temps. Ok, d'accord, ils font leur vie là. Eh oui, c'est pas cool ça, mais ça fonctionne. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, punaise, c'est quoi ça ? Je ne sais pas. Pas de chambre 3, très bien. C'est très perturbant comme style de jeu. C'est original, mais c'est extrêmement perturbant.
tellement difficile. Non, c'est ça en plus. Et non plus. Alors attendez. Alors non, non, c'est pas ça. Ou peut-être que... Voilà. Elle vient là. Yes. Génial. Pardon, excusez-moi. Je commence à faire frais, du coup je commence à avoir... Non, la sauvegarde allait loin. Eh oui, la sauvegarde allait loin. C'est bon, je sais. Voilà, on revient là. Pingouin. Arrête ça, la symétrie, c'est horrible. Ok, c'est bon. Alors maintenant. On passe. Ça passe. Salut, il me semble pas t'avoir déjà vu dans le coin avant. Ah, c'est bateau. Quels sont les liquides colorables que tu préfères verser dans des tubes à essai? Ça, ça ne fonctionne pas comme ça. Thank you.
encore fait peur. Encore une chambre. Je sais pas ça y va. C'est bon. Bien, pingouin sur 20 encore. Allez, c'est bon, ça passe. Comment je fais là? T'es vu, il est marrant lui. Ok. Ok. Et là. Je suis supposé qu'il va falloir tous les éliminer. Comment? Comme ça. Non, pas comme ça. Justement. Alors là, quelle est l'énigme? Là, je prends des dégâts, et oui. Ok, j'ai compris. Mais est-ce que j'ai le droit? Et là pour l'avoir, celui-là, bon courage en vrai. Et oui. Pas d'autre solution, hein. Alors commence. Donc là, faut que je fasse gaffe. Comme ça. Comme ça. Comme ça, voilà, ça c'est fait. La petite sauvegarde. Il n'y a pas la clé, il faut chercher la clé. Wow! Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, en vrai, on s'en fiche. Voilà. Encore un personnage.
quitter le champ de radis. Passer du tout là. Très bien. Oh non, on va pas faire. Punaise. Voilà, comme ça. C'est pas un vrai boss, mais ok, 3 soit. Bravo, le scientifique. Et paf, adieu le scientifique. Punaise. Ah, ben là, ça aussi. Ah, j'ai quand même une carte. Très bien. Mais le scientifique, au revoir. Qu'elle fait elle. Peut-être ces fortifications sont sûres, elles tranchent visuellement. En même temps, tout tranche visuellement dans ce jeu. À cause de ma tromperie, tu as été mise en danger. Je suis profondément désolé. J'avais peur que le centre fasse former mon laboratoire si jamais il entendait parler de mes expériences et la poussière. Pour moi, Nova, plus jamais je ne jouerai avec telle force, je ne les contrôle pas. À partir de maintenant, je me contenterai à ce que je maîtrise, sinon je vais m'apporter que de la honte et de l'échec. Certaines recherches ne valent juste pas le coup, certaines expériences font que du mal. Très bien. Énergie onirique. Les aspirations humaines sont l'une des formes les plus puissantes d'énergie de ce monde. D'accord. C'est une interface Windows. Je sais pas trop où aller en vrai, c'était plus indiqué sur la map d'avant. Donc bon. Voilà, mais il y a plein de choses là. Très bien. Eh bien, descendons. Est-ce que la porte est ouverte? Elle est où la porte déjà? Elle est là-bas. Non. Je suis posé que là, c'est bon, c'est fini.
plus ici. Quelle est cette chose? C'était là, ça, tout à l'heure? Il m'a écrasé. Non, alors m'écrase pas. Quelle est cette chose? Bug graphique sur 20. Tu veux peut-être m'aider, toi? Non. Bon, je... D'accord. Je viens d'ici, hein. Est-ce que je peux aller là? Non. Là, il y a une serrure. Et moi, après, j'ai fait un chemin par là, tout à l'heure. Que j'ai raté des choses. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est de la poussière. Non, je viens de là. Attendez. Non, je sais plus en vrai. Je ne sais plus. Ça y est. Non, si, si, c'était là, c'est bon. Je viens en vrai d'ici. C'est pas là que je dois aller. C'est là-bas. J'ai quand même une poussière. 66. En vrai, quitte à être ici. Ah, le bug. Hop là, doucement, on y va doucement. Donc, tout à l'heure, je passais par là. Ça, j'y avais pas mis les pieds. On va passer en dessous. Peut-être des choses. Que sont ces arbres? Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Bienvenue dans la grotte des fans, nous étudions les travaux du maître arbre. Aujourd'hui nous présentons une sélection des meilleurs arbres de nos membres. Cet arbre imposant a été réalisé par nul autre que le président du club, Iwasaki. Les détails sont divins, quand je m'endors, je me demande si je peux un jour atteindre un tel niveau.
Cherche le maître arbre. Ça doit être le maître arbre. Nova aperçoit quelqu'un au centre de la grotte, gesticulant bizarrement en direction d'un arbre. Que faisait-il? Une prière? Les murmures de l'individu montent crescendo en intensité. Oh, grand maître arbre, sculpteur arboréal, styliste des branches et des feuilles, Iwasaki intimement. Entendez l'appel de ta grotte des fans officiels. Nous étudions l'art de la sculpture d'arbres pour tisser un lien avec la nouvelle terre. La terre est honorée. Vos réussites. La supplication de l'homme résonne dans toute la grotte. Génial, je suis content. Rien que je ne puisse faire n'attire l'attention du maître arbre. Ça fait des années que je dirige la grotte. Des fans officiels du maître arbre, j'analyse et je transmets ces techniques aux autres membres. Mais nous n'avons jamais obtenu de réponse officielle de sa part. Toutes les lettres que nous avons envoyées n'ont rien changé. Pourquoi ne se préoccupe-t-il pas de nous? Nano poussière, tout ça. Nova se demande si cet homme a réellement besoin de nettoyer, mais il semblerait qu'il soit... Allez, le rythme. Oula, ça va être rapide. Ok, c'est bon. Pouvoir de l'aspiration de la poussière. Et je pénètre ton âme. Glaciation insupportable dans des collines frigorifiées, des fans aimant discipline, leur esprit et leur corps. J'ai pas tout compris parce que j'ai pas tout lu. Discipline, leur esprit, le corps. Oui, non, en fait, c'était bon. Ceci est un lampadaire. Infidèle, revenez, seuls les disciplinés pourront transcender l'étendue enneigée et être acceptés dans le temple du maître arbre. Je veux bien, mais... des chemins partout en fait. Et oui. Je crois que ça passe. Ah ouais. Ok. Poussière sur 20. Mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Ça servait à quoi ça? Quel intérêt? Je reviens ici. Très bien, mon dieu, qu'est-ce que c'est?
fait mal. Mais c'est un PNJ. Je ne suis pas digne de quitter l'étendue enneigée. Je dois m'entraîner à sculpter les arbres et à supporter ce temps. Iwasaki m'a dit que je ne pourrais continuer que lorsque j'aurai compris ce que signifie un pétale en floraison dépassant d'un sommeil enneigé. Pourquoi j'ai si froid? Je n'ai pas vu un seul pétale. Tu reparles ou pas? Non. La clé est là-bas. Pas me heal, ça m'arrangerait. Voilà, merci. Il suffit de demander. Selon les épreuves de la grotte des fans, je ne suis qu'un arboréaliste et licence C. Mon but, une licence B, et je n'aurai plus à traîner ici. T'as d'autres choses à dire? Non. Encore. Punaise, je l'avais pas vu venir lui. Ah. La clé, très bien. Je vais en plein dedans, hein. La serrure de l'autre côté, hein. Oh, putain, c'est pas possible. On va aller là. Bizarre comme parcours. Les temples du maître arbre se trouvent au-dessus de nous, dans le ciel. Seuls les dignes peuvent y pénétrer. Alors, parce que je suis un peu perfectionniste dans ce genre de terrain, je souhaite compléter la carte. En haut, au-dessus, au passage. Comme quoi, il y a une bonne raison d'aller par là. Bonjour. Il y a une autre clé encore? Attendez, il y en a combien là?
fait ça. C'est pas ce que je voulais faire en vrai. Ça a enlevé le truc derrière, très bien. Mais ça va pas enlever les pics pour autant. Hein. Une clé, je prends. Donc c'était pas la... La clé est avec moi. À faire là, bon c'est pas grave. On monte. Certains des bonhommes de neige ne croyaient plus en notre façon de vivre. Ils souhaitaient trouver un but plus grand qu'une vie de contemplation solitaire et de voyage occasionnel. Eh bien je crois qu'ils ont trouvé ici ce dont ils avaient besoin. Les autres bonhommes de neige et moi, nous venons d'un monde différent. La plupart d'entre nous se détendent juste, mais quelques-uns d'entre nous ont rejoint la grotte des fans d'Iwasaki. Nous sommes loin de chez nous. J'imagine que nous aurions dû... Ouais, bon, d'accord, ok. C'était quoi le truc en bas là? Entre tous les arboréalistes de licence S, Iwasaki est clairement le plus fort. J'aimerais être comme lui, mais je n'ai même pas encore lu le grimoire d'écorce. Pardonnez-moi, je dois continuer à étudier. J'ai ouvert à droite, du coup je vais à gauche, sinon c'est pas drôle. Je suis un arboréaliste de licence A, presque prêt à fouler le terrain du maître. Rares sont ceux qui disposent de licence S pour voir entrer comme Iwasaki. Belle patati patata, génial. D'accord. Et là, c'est fermé. D'accord. Tu peux aspirer ça ou pas? Pas l'impression. Hein. On est des gars. Non, ça ne se prend pas. Pardon. On revient ici, d'accord. Tout ça pour récupérer la clé d'ici. Une carte, pardon. Une carte directement ? Carte en bas droite. Oh punaise, elle a été mal conçue. D'accord, ok.
Comment accéder ici? J'ai peut-être raté un truc, hein. C'est quoi cette carte d'ailleurs? Le système de classement arboréal incarne une forme d'espoir. Il faut toujours viser plus haut. Tel l'arbre proverbial, nous devons prendre exemple sur ceux qui nous surpassent et à la fin nous serons récompensés. Une licence C est complètement empreinte de superficialité. Une licence B est cohérente avec lui-même et manque de perfectionnement. Les licences A font un travail identique aux bio-arbres. Et le licence S, lui, il transcende le concept d'arbre. Ok. Mais ça me dit pas... Je pense que là, le jeu te force... Hop là, on regarde. À quitter là, ici. On va marquer oui. Et on verra bien ce qui se passe. En attendant, j'ai quand même une carte. Où est-ce que j'ai atterri? La publicité indique. Meilleur sculpteur d'arbres de tous ces notes fournit les parcs et les bâtiments officiels de la ville. Plus d'informations par téléphone. Nova peut voir à travers la fenêtre une personne qui mange des œufs à son bureau. Œuf. Une pile de journaux bien rangés. Un aimant meilleur papa du monde décore le réfrigérateur. Un petit arbre bien taillé occupe un pot à côté de l'individu. Plus loin dans l'habitation, Nova distingue des arbres plus grands. Chacun y a un style raffiné. Cette habitation est bien humble, mais il s'agit peut-être bien de la maison du maître arbre. Qui sait ? Une certaine puissance émane de la boîte à lettres à côté de Nova. Il semblerait qu'elle puisse rétrécir. Tout ça pour atterrir ici? Lorsque j'ai obtenu ma licence S, j'ai réalisé que c'était grâce aux enseignements d'Iwasaki, à sa patience, à sa ténacité, pas grâce au maître arbre. J'évoquerai la possibilité de créer une nouvelle licence seulement pour Iwasaki. Ah oui, la licence I. D'accord. Iwasaki à Timon, Nova. Quand j'étais un petit garçon, j'adorais les arbres. Ils étaient d'une telle beauté. Ils sont tellement rares dans la nouvelle terre. Et puis j'ai découvert le maître arbre qui dévoue sa vie à l'art des arbres. J'ai étudié ces arbres et puis j'ai commencé à envoyer des lettres d'admiration, mais il ne m'a jamais répondu. Donc j'ai créé la grotte des fans officiels. D'autres m'ont rejoint et j'ai dirigé les recherches sur le maître dans l'espoir qu'il nous remarquerait. Mais grâce au nettoyage, j'ai ouvert les yeux. J'ai compris que je n'avais pas besoin du maître dans cette grotte des fans. C'est moi le maître. Après tout, ces épreuves, j'ai maîtrisé mon art, les fans, ils ne sont pas que des membres, ils sont mes élèves également. Je leur ai enseigné l'art des arbres. Merci Nova, les membres n'auront plus à souffrir en silence dorénavant, c'est moi le maître arbre, Iwasaki. Une nouvelle carte. Nova ressent les pulsations de la graine en elle. Elle canalise la puissance du centre pour transformer le cristal de poussière mortel en une carte. Ça fait deux cartes là du coup. Bonjour Nova, bienvenue, patati pata, grâce au nettoyage. L'entreprise nous émerge encore plus profondément dans le sculptage d'arbres. Ravi de l'apprendre. Ok, il me manque 4 cartes. Pas mal de choses encore qui manquent dans l'inventaire, mais niveau carte,
Ah non, on peut scroller, pardon. Pardon, je l'avais pas vu. Très bien. Où allons-nous ? Je sais plus par où je suis arrivé, c'est génial. Un patch d'amélioration. D'accord. Fallait le voir ça. Tout ça c'est fait. Alors je viens d'où moi maintenant? La serrure, on n'y est pas allé, hein. Pourquoi il y a un truc là-haut là? Comment on l'a celui-là là? Peut-être par là? Non, je peux pas monter vraiment sur ça. Il y a... Peut-être par là. Attendez. Non, je pense pas. Ça m'a l'air trop compliqué. Bon, passons par la serrure. Vallon Azur Ouest. Ok, d'accord. Vallon Azur Ouest. Ville. Ah ben tiens, la maison, qui que ce soit les occupants, on dirait qu'ils préfèrent garder leur vie privée. Là il y a une ville, là il y a une route. Accéder là-dessus ou pas? Non, je pense pas. Très bizarre. Ah, là, il y a du trampoline. D'accord. Je continue de faire le tour. C'est histoire d'avoir des repérages quand même. Il y a des choses là. Là, il y a des choses là. Malin. C'est l'autre côté de... Parfait.
Votre partie a été enregistrée. Dauphin père, Nova, ton travail te plaît, parfait, parfait. Tu trouves pas de carte, et bien en tant que spécialiste des astuces, je serais ravi de pas une petite astuce tout ça. Tu devrais peut-être trouver d'autres personnes à nettoyer. Bon, merci, merci. Est-ce qu'on ferait pas ça en premier là? En vrai, on est devant. Falloir passer de l'autre côté en fait. Ça parlait des chalets quand même tout à l'heure. Beaucoup plus tôt même. Tiens donc. Le petit passage. Une carte. Auto l'éponyme Lavoto est un espace liminal à la fois intérieur fermé par des murs et un toit et extérieur route pavée adaptée aux voitures. En Lavoto, c'est un espace sacré, un lien entre le banal et le divin. Génial. Mais à la base, c'était pas tout à fait ça que je cherchais en vrai. C'est bon. Du coup, on s'en fout de l'échelle. Réouverture des portes, tout le monde est content. Ça alors, regarde-moi, le générateur fonctionne à nouveau. C'est bien. Le courant est revenu, c'est grâce à toi. Nova, je te déclare donc ami officiel du Lavoto en tant qu'auto-léponyme. J'en ai pu voir, passons aux choses sérieuses. Le soin complet d'auto t'intéresse-t-il? Il s'agit d'une régénération du cœur et de l'esprit offerte par la maison. Ok. Est-ce que je gagne une carte si je fais ça? Non. Je gagne rien du tout. Ça m'ouvre, j'ai juste ouvert un passage en fait. Bon, j'ai gardé une carte, mais c'est pas tout à fait ce que je voulais. En termes de poussière, je suis à 90. Faudrait peut-être que j'aille poser la poussière. En vrai. On revient ici par la, par le même passage. C'est quoi ça? C'est moi qui l'ai arraché? YOLO. Paf. Tu détiens plus de poussière que la prise peut contenir, tu pourras déposer cette poussière après avoir étendu les capacités. Merci d'avoir déversé et tout ça. J'ai déversé, je retourne là-bas du coup. Je me demande où j'ai eu mon permis moi. Peut-être sauvegarder encore. Hein. Toujours sauvegarder le plus possible. Bon, à la base, je faisais un tour.
Il y avait une truc au milieu là. J'ai sauvé la vie dans la poussière de deux personnes ici. Et il y a une serrure. Je viens d'ici. Et là où il y a une route. Mais qu'est-ce que c'est que ça au milieu? On va reprendre le chemin pour faire demi-tour. Qu'est-ce qu'il y a en bas là? Pardon hein, mais qu'est-ce que c'est que ça là? Il y a un crabe. Non, c'est pas un crabe. J'ai failli pas le voir. Hein. La forme rocheuse aussi, à l'alette et a visiblement du mal à se mouvoir, c'est presque pitoyable. A-t-elle travaillé jusqu'à trépas pour un maître infatigable? Est-elle tombée des habitations en hauteur, criant sans réponse? Et s'il s'agissait seulement d'un tas de cailloux, une illusion ou un des jolis décors disposés par le centre? Je ne pense pas. Mon nom est Geoff. J'ai entendu des rumeurs à ton sujet, on dit que tu as libéré des gens de leur prison de poussière, mais tu dois me laisser pour que je puisse me désagréger en sable, voyager avec le vent et finir par faire le bonheur de quelques amants sur une sublime plage. Non, je ne peux pas disparaître. Je dois creuser, mais pourquoi? Je m'appelle Geoff, qu'est-ce que je fais ici? Un vent léger en tournoval se demande, ça doit faire longtemps que Geoff creuse, des années, des décennies, c'est une échelle de temps et lui échapper. Qu'est-ce que ça fait de voir sa vie être figée, de répéter les mêmes actions pendant des années? Pendant combien de temps va-t-elle devoir nettoyer? Allez, go. Du canal corporel. L'intensité d'un idéal croît de plus en plus en direction du soleil. Geoff Agricite. Granit, 34, professeur des écoles bien-aimées, croyait que les enfants étaient la clé de la protection de notre futur. Aucun élève n'est mauvais, le problème de comportement d'un enfant ont toujours une cause. Ça reste un cimetière. Puissent les histoires de cette ville fertile t'élever. Larve de pierre, la clé du succès, c'est la foi. J'agis selon mes croyances en offrissant et en priant pour cette tour. Un jour, elle atteindra le soleil. Mon idéal est d'alimenter cette tour, je n'aurai pas d'autre but. Tant qu'elle survit, alors je serai heureux. Pierre 9, garçon vif et source d'inspiration, nous n'oublierons jamais les cadeaux que tu nous offres. Très bizarre comme jeu. Ouais, personne qui m'a tiré.
phosphore 50, la meilleure cultivatrice, ok. Aïe. C'était où la... qu'il y avait la serrure? C'était en bas, non? Et... ah non, une carte. Ok. Village de Geoff, la valeur des biens immobiliers n'a fait que descendre en flèche. En cause, rien de plus qu'un désastre naturel. Ça fait pas mal de cartes là. Je pense qu'il me reste la carte de Geoff. Peut-être encore un autre truc à dépoussiérer. Le PNJ. Alors régène, ça veut pas pire, ça veut pas dire perdre de la vie, mais c'est pas grave. Indice, j'ai toute la poussière. La carte est là. J'ai juste à remonter en fait. Ta vie t'a-t-elle déjà donné à vivre un instant sublime? C'est cet instant que j'attends. Dans la souffrance, j'attends que la tour grandisse. Un jour, ce monde vil sera illuminé par sa beauté. Ok, d'accord. Quelle tour? Boss. Non, pas encore. Geoff 42. Maire de cette ville agricole autrefois prospère. Et imbécile fini, a creusé de partout ses liens sans ses mains détruisant la ville. Meurs seul, monstre. C'est horrible. Mais y'a rien. Thank you.
Non! J'espère que le chemin a été gardé. C'est pas pareil. Je sais pas trop où est-ce que ça va en venir là pour le moment. Des semaines que tu creuses, tu vas trop loin. L'air est toxique.
Un jour de plus avec la nanopoussière de partout à ce rythme-là, la ville est perdue. Silico, c'est toi, viens m'aider, prends une pelle et viens ici, il faut qu'on jette toute cette terre maintenant. Nova, dis-moi que ce n'est pas moi, s'il vous plaît, m'en dirai bien, pourquoi on sort d'ici tout de suite. On aspire la poussière, tout simplement. Enfin, tout simplement. Non. La carte. Non, pas encore. Geoff agressif, je me souviens maintenant un jour un champignon a attaqué nos cultures. Les récoltes étaient perdues et nous courions au désastre. Sans plantation, la ville n'aurait pas de tourisme et aucune exportation. Donc je me suis dévoué pour sauver la ville. Jour après jour, j'ai enlevé les champignons pour sauver les champs. Et pourtant, les gens sont partis, ils ont tout abandonné notre ville. Pourquoi la ville me jouerait-elle de tel tour? Les supplications des autres habitants étaient convaincantes, mais Nova, maintenant que je vais mieux, j'ai recouvré la mémoire et je dois écouter mon cœur. Je dois continuer mon travail et me débarrasser des champignons. Un jour, je réussirai tout comme toi, Nova. Quoique. Peut-être que je mérite un peu de repos. Oui, juste un petit moment de répit. Je me sens si lourd. Ce poids, il pèse sur mes épaules. Demain, nous nettoyons la terre une fois pour toutes. La carte. Palissade. J'espère qu'elle appréciera ces petits détails. Ça a été très dur pour elle. Je veux qu'elle puisse avoir un endroit où elle se sent libérée des fardeaux de ce monde foutu, destiné, elle est encore si jeune. Je ne comprends pas, peut-être que je fais une lourde erreur, mais je ne peux pas rester sans rien faire. Qu'est-ce qu'elle fait? Geoff ne répond pas, on dirait qu'il bouge, mais peut-être n'est-ce, ce n'est qu'une illusion. Ok. Je peux y retourner? Alors. Maintenant, avec une vue de loin. C'était cette maison où il fallait aller tout à l'heure? S'il y avait des choses à récupérer ou pas? J'ai l'impression que oui. Je vais essayer d'accélérer par là. Était-ce là que j'avais... Je pense que c'est là où je suis tombé en effet. Ça m'aurait amené où en fait? Nulle part en vrai. Si? J'aurais pu monter. Peut-être pas sur le truc d'en haut. Ah, peut-être si. Je sais pas. YOLO! Ça n'a pas fonctionné. Bon, allons ici maintenant. Mais que je pense que de la zone, il ne reste que ça. Ah, attends. Donc, j'ai le choix d'aller à gauche ou à droite. On va passer par là d'abord. Où suis-je sur la carte d'ailleurs? Vallon Azur Sud. Mmh. Ah mais je peux remplir de nouveau le... D'accord. Il manquait deux cartes. Ah, attendez, il y a un truc là. Il y a un truc sur ma gauche. Qu'est-ce? C'est pour monter, c'est juste pour monter, d'accord. Une grande statue là, très étrange. Et de l'eau.
monter tranquillement ou pas? Est-ce que je peux sauter? Je vais dire que oui. Oui. Ok. Alors, explorons. Il y a des cailloux partout. Il y a de l'eau aussi, là. Je sais pas si je peux... Ouh, je pense qu'il y a un truc à monter, là, en effet, oui. Ah bah tiens, c'est gratuit. Une carte. Voilà. Une carte. Chef agressif, quand vous creusez 99 fois et que vous ne trouvez que de la terre, n'abandonnez pas. Une autre personne y viendra et trouvera votre trésor, tout ça. C'est soit ma voix, soit la voie rapide. Ma voix, c'est la voie rapide. Je t'ai présenté un faux choix. Pour apaiser ton ego, je suis resté quoi? Mais c'est une personne que je n'ai pas encore rencontrée, ça. Je peux pas aller plus haut, en vrai. Je ne peux pas aller plus haut. Ok. Un passage derrière. Punaise, il y a un passage derrière. Alors attendez. D'abord, je finis ma petite exploration. Rien d'intéressant. Intéressant. Non. Ok. Quelle est donc cette statue étrange? Peut-être faut-il aller ici. Il y a une flèche qui dit d'aller là-bas. Désert extérieur. Cinématique, pas cinématique. La tempête de poussière qui assiégeait Cenoth par le passé bloque désormais la frontière vers le désert extérieur. Ses forces infectieuses font rage et circulent pour former un gigantesque mur à quelques pas de Nova, si proche d'éteindre sa vie et sa responsabilité. Pourtant, elle trouve dans le chaos de la tempête un étrange sentiment de beauté, de confort. Pour Nova, on dirait presque les murs d'une maison qui la protégerait, elle et les autres occupants de ce qui se trouve à l'extérieur. Nova voudrait continuer, mais elle le sait, cela ne peut que mettre sa mission en péril. C'est le centre qui détient la clé d'une potentielle avancée. Elle doit restaurer son pouvoir. Ok, je suis obligé de faire demi-tour. Très bien. Donc ici, il n'y avait pas grand-chose en vrai. J'espère que j'ai rien raté au passage. On va sauvegarder ici, là. Ça faisait longtemps. Vallon Azur Est. Punaise, encore des bois. J'y
suis déjà allé là, non? J'ai un doute. J'ai un gros doute. Oui, je suis déjà allé ici. Là, il y a la serrure. On vérifie, hein, mais je pense que... Et oui, on y est déjà allé. Et ça, je sais toujours pas ce que c'est en vrai. Bon, c'est pas grave. La maison derrière, attendez, c'est quoi? Ah si, non, c'est pas une maison, c'est là où il y a un personnage étrange. Tout fleuri. Et là, il y a un œuf. Encore un, là-haut, ici, là. Je maintiens. Donc là, je ne peux pas y aller. C'est bloqué. Donc, je suppose que cet œuf sera pour plus tard. Moi, j'espère. Et là, j'y suis déjà allé aussi. Je pense que oui. Ça me parle, en tout cas. Donc, demi-tour. C'est un peu caméra sur 20 le jeu quand même. Re-demi-tour, hein, encore. Et on va pas pouvoir aller de l'autre côté de la route en fait. Pas du tout. Très bien. Je pense qu'il y a, quand même une carte qui me manque, hein, ici là. Il me manque une carte. L'arbre. Ça, je vois pas trop ce que c'est. Ça, c'est la photo, oui. La photo auto. Donc, en gros, il manquerait un truc en rapport avec les scientifiques. Il manquerait une carte ici en rapport avec les scientifiques. Qu'est-ce que je fais? Je refouille côté scientifique. Je pense que c'est lié à l'espèce de d'animal maison, je sais pas. C'est peut-être ça, hein. C'est peut-être la carte qu'il y a là, ici. Ça, c'est pas une sauvegarde. La sauvegarde, elle est pas affichée pareil. Comment
faire pour accéder à ça? Je pense que ça c'est une carte en vrai. Mais vraiment, sinon ça serait accédé par le pont ici. Peut-être, peut-être que c'est ça. Tout à l'heure j'ai fait 3 sauts d'affilée, j'arrive plus là. Et là j'en fais 3 de nouveau. Par là. Non, sérieux. Tout simplement. Enfin, tout simplement. Non, c'est pas si simple que ça en vrai. Une carte. Et voilà. Celle que je voulais. Morose Claude. À l'aide, je suis piégé dans une usine de textes immersifs. Toute la journée, je dois écrire des petites pages humoristiques pour votre plaisir de lecture, mais à quel prix? Pour la première fois en des années, le propriétaire discret de cet établissement diabolique ouvre l'usine à quelques invités triés sur volet. Voilà. Voilà ma chance. Ok. Faut trouver la sortie, sauvegarder bien sûr. Stop, 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 stop. Il y a le pont qui est là et je voulais récupérer un chemin. Stop. Caméra. Ah voilà, c'était là. C'est ce passage là que j'ai cherché. On va aller du coup au là-dedans là, le centre, le sanctuaire. Bah. Ah oui, elle est partie, oui. L'ascenseur est prêt à accéder à la surface, oui, bon d'accord.
sortir l'appareil, insérer les cartes. Oui, on continue. Et au passage, salutations, bienvenue au pot des dépoussières, tout ça. Pas d'autres portes ouvertes, je ne sais même pas si ça s'ouvrira un jour en vrai. Niveau carte, il m'en manque 2. En vrai, il m'en manquerait 12. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bah 12. Il manque pile 12. Côté inventaire, par contre. Un colis de la part d'Eldi adressé à son ami qui vit dans un village agricole. Un village agricole à la périphérie de ses notes. Village agricole. Sauf que Eldi. Je ne me souviens même plus qui c'est en vrai. En dehors, il y a pas beaucoup. Hein. Ça doit être encore autre chose. Eh bien, on remonte. De toute façon, on ne voit pas trop quoi faire d'autre. Tombe, non. Allez, c'est passé sans faute, nickel. Là, les villages agricoles, c'était ça? Non, c'était pas ça. On va voir si la tempête s'est dissipée là-bas. Le truc c'est que là j'ai vraiment fait le tour je pense, donc à moins de passer au désert, je ne vois pas trop aller.
pensais que j'aurais pu monter là. En vrai, peut-être. Voilà. Ah, peut-être. Ah oui, peut-être, oui. Des marches là. Je vais casser le jeu. Je peux pas voir à travers par hasard. Ça y est, je me suis bloqué. Non. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose par là. Eh bien, demi-tour. On a déjà vu tout ça. Je peux pas y aller. Je peux pas aller là non plus. Ni là. D'accord. Dans ce cas, je vais où? Dans ce cas, je vais où? Ou alors, il faut juste récupérer 10 poussières histoire de re-remplir le machin. Il y a de nouveau bloqué. Bon, bah, je vais essayer de retourner en ville. Hein. On va voir. On va essayer de rattraper de nouveau quelqu'un à nettoyer. C'est moche à dire. Sans raison apparente, les nanopoints de Cénote ne réagissent plus pour l'instant aux étincelles de Nova. Sérieux ?
Ok. Dans ce cas, non, on fait re demi-tour. Oh punaise, je m'attendais pas à ça. Voir si je peux récupérer 10 poussières sur lui. Ah oui. Ça va être compliqué. Alors 10 poussières on a dit. Cette vue là ne sert à rien, vraiment, c'est bien dommage. La sortie, c'est par là. Pour récupérer l'ascenseur. C'est bizarre ça. Est-ce que c'était cette sortie là? Je me souviens plus. J'espère. Non, c'était pas cette sortie là.
pas cette sortie là. C'était. Par là. Oui, c'est ça. J'ai rien fait de plus. Nova, c'est moi, Palissade, ton accompagnatrice. Je suis désolé, je suis parti pendant si longtemps. Ah, comme tu as grandi. Palissade tend la main et caresse doucement la joue de Nova. Nova tremble légèrement, résistant à l'envie de se jeter dans les bras de Palissade. Avant ton prochain dépôt de poussière, je dois te montrer quelque chose. Nova, tu vois, tu as fait un merveilleux travail de nettoyage pour le nouvel La Terre. Je suis si fier de toi. Mais j'ai bien peur de ne pas avoir aussi bien pris soin de toi. Tu es la nano-nettoyeuse, bien sûr, mais tu es tellement plus que ça. Tu es une personne avec des sentiments, des besoins et des désirs, Nova. Je veux que tu saches que tout ça est important. Chaque partie de toi, le travail, l'amusement, la joie, la tristesse, la force et la faiblesse. Dans ce monde, il y a de la place pour toutes tes facettes. Je ne devrais pas en dire plus pour l'instant, juste viens avec moi et... Non, ce bug traverse la tempête. Tu dois trouver... Qu'est-ce qui lui arrive ? Palissade parvient à toucher le front de Nova en tendant la main. Une série d'images défile rapidement dans son esprit. Point d'interrogation. Nova a l'impression qu'on lui a arraché un fragment de son âme, comme si quelque chose d'aussi vital que le sang de ses membres s'était volatilisé. Que vient-il de se passer? Elle n'y comprend absolument rien. Il s'agit sûrement d'un coup du sort, une projection défectueuse, un écart de l'esprit, ça ne veut pas dire non. Après un certain temps, des minutes ou peut-être des heures, Nova, réussissant bien que mal à se relever, tâtonnant désespérément de son esprit pour tenter de faire sens des images que Palissade lui a laissées. Alors, elle lui a montré la statue, là où ce qu'on a vu dans les cinématiques, il y a autre chose, la calmie. Objet reçu, vision de Palissade. Debout. Carte, inventaire. Vision de Palissade. Ok. À la base, je suis arrivé de l'autre côté, mais c'est pas grave. Nova repense à la vision de Palissade. Non, elle n'a pas besoin de déposer la poussière. Bah, le niveau, il est pas propre là. Je veux déposer la poussière, moi. Bon. Tant pis. J'ai juste sauvegardé, j'ai rien fait d'autre. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que je suis à la moitié en vrai. Je viens de sauvegarder, donc c'est pas mal. Attendez, je regarde ce que c'est ça. Ouais, bon, d'accord. C'est au cas où si on est bugué, quoi. Hop là. Donc voilà, c'était Anodyne 2, je dirais première partie bien avancée, peut-être deuxième partie demain. Est-ce qu'il y a un pourcentage? Ce serait bien de voir s'il y a un pourcentage quelque part. Charger une partie, carte 12, non il n'y a pas plus d'informations que ça, très bien. Je vous retrouve demain, dans l'après-midi pour la suite de Anodyne 2 et j'espère le terminer, comme ça, ça sera fait. À partir de la semaine prochaine et pendant 3 semaines, ça sera pas grand chose en journée, surtout en soirée et sûrement en week-end parce que 3 grosses semaines IRL
côté associatif. Donc en tout cas pour ma part, je ne peux pas streamer en journée, enfin 23 semaines, c'est pas possible. Voilà, prenez soin de vous, suivez les réseaux évidemment, venez papoter avec nous, discuter de tout et de rien, de radio, de gaming, de votre vie, aussi de vos chats, pourquoi pas, de vos chiens, de cuisine, et pensez à récupérer les jeux vidéo gratuits chaque semaine qu'on poste sur le Discord pour tout le monde. Il y en aura même un tout à l'heure. Voilà, suivez la chaîne évidemment, tout ça, allez suivre le YouTube aussi, il y a les sessions de rattrapage et d'autres choses. Passez un bon début de soirée et je vous dis à demain. Cordialement, bisous.